Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Comme je l'avais annoncé, voici une guidance pour les flammes jumelles. Allez, allons-y sur ce parcours d'âme particulier, intense, magnifique à la fois. D'une tendresse profonde et aussi avec cette ce qui me marque le plus sur mon propre chemin à moi, avec ma propre expérience, c'est cette attraction répulsion qui est vraiment intense. Et tu sais certainement que même une fois en réunion, le travail continue et se fait à deux. Et il peut y avoir encore au début, le début qui peut durer quelques semaines, quelques mois ou même quelques années, 1, 2, 3 ans. Et oui, parce que chaque parcours est complètement différent. Donc ce qui est important, c'est que tu gardes ce qui résonne en toi, que tu t'appropries ce qui te parle et que tu laisses le reste dans la guidance qui va suivre, que tu laisses ça, tu laisses ce qui ne te parle pas de côté. Et peut-être que toute la guidance ne va pas du tout te parler. Donc laisse, hein, c'est que il n'y a rien ici qui puisse t'éclairer. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, moi ce qui me marque le plus, c'est ça. C'est ces phases d'attraction-répulsion. Attraction-répulsion qui peuvent être vraiment déstabilisantes. Et ce qui est, c'est que c'est cet amour profond l'un pour l'autre qui est touché. Qui est insondable, particulier. Et c'est, il y a une sensation que cet amour, parce qu'il est différent de l'amour amoureux, cette sensation en fait de cheminer ensemble, de construction ensemble, je ne sais pas comment le dire parce que c'est difficile d'avoir les mots. C'est compliqué de mettre des mots sur ce qui peut être vécu ou ressenti parce que ça, comme toute guidance, elle peut être interprétée de différentes manières. Allez, on va y aller. Tu entends toujours mon petit Charlie qui est en porte-bébé avec moi. Difficile de faire autrement en ce moment. Parfois... je suis sans, parfois je suis avec, et ça dépend de ses rythmes à lui. Et c'est pour ça que j'ai mis en place sur le site internet des guidances enregistrées. Bon, j'en fais depuis longtemps, des guidances enregistrées en audio. Si tu as une question toute simple à me poser, je peux te faire une guidance en audio, justement de 20 à 30 minutes ou en vidéo pour deux questions. Si tu as deux questions, je peux te faire le même type de guidance là que tu vois là, mais personnel, rien que pour toi. Tu regardes sur le site internet sacré-féminin.com et tu regardes dans le menu en haut à droite, tu trouveras ça. Si ça t'intéresse, tout est indiqué, tout est expliqué là. Et je reprends les guidances donc en avril. J'ai plus beaucoup de place, mais c'est ouvert pour mai, pour juin. Néanmoins, j'en prends du coup pas beaucoup. Très très peu en visioconférence, hein, par Skype ou Telegram. Parce que
Déjà, c'est un souhait. Et aussi parce que, bien avec 3 enfants, ça peut paraître compliqué parfois. Voilà. De pouvoir poser des rendez-vous. Donc, j'ai peu de créneaux, mais il y en a. Et je prends peu de guidance, ce qui me permet aussi d'être disponible, pleinement disponible. Et c'est un choix et un souhait aussi de passer de bons moments, voilà, d'une heure avec les personnes qui me font confiance et que je remercie beaucoup, vraiment, et que j'ai déjà depuis maintenant quelques années. Certaines avant le début de la chaîne et puis d'autres au début de la chaîne. Donc ça va bientôt faire 4 ans maintenant. À la fin de l'année, ça fera 4 ans. Allez, c'est parti, on y va. De quoi nous parle cette guidance? J'ai touché mon micro, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. On y va avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, mais avec aussi 2 tarots. Celui-ci, le tarot de l'amour de... Tu connais, il a fait l'oracle de Gaïa aussi. Bon, il est un peu gros, d'une main ça va être compliqué. Voilà. Il me parle en ce moment, c'est Tony Carmine Salerno, le tarot de l'amour. Cet oracle-là n'est plus édité, c'est dommage. Pas cet oracle, ce tarot, c'est le tarot essentiel meilleur. Alors lui, par contre, c'est vraiment mon tarot. Celui-ci, ça fait des années que je l'ai, comme le grand jeune de Lenormand. Un petit peu après, je l'ai eu. Il m'a été offert et j'y tiens. Et puis, là, c'est... Je me trompe pas. J'aime bien le prendre, celui-là, parce qu'il permet de savoir où est-ce qu'on en est... C'est l'oracle des flammes jumelles hein, de l'édition des éditions du développement personnel, celui-ci. Voilà. Allez. Et bien justement, je voudrais commencer par celui-là avant de prendre le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, dont j'ai fait une formation. Tu vas voir sur le site aussi, tu trouveras. Alors, on y va. Alors. Je suis là, tu vas peut-être pas pouvoir voir les cartes parce que comme j'ai mon petit bout en porte-bébé, je peux pas trop me pencher. Hop. Un petit peu comme dans un hamac. On aime bien être l'un contre l'autre, c'est très apaisant. Là, j'ai un paquet entier, ça fait beaucoup. On va pas prendre un paquet. Alors, celle-ci. D'accord, on commence par ça, histoire. Je te laisse regarder les dessins dans un premier temps. Hein, c'est bien aussi qu'il y a celle-ci qui a voulu sortir également. Alors, la manière dont je place les cartes, c'est quelque chose qui est... très propre, qui est propre à moi. Alors attends, je vais faire quelque chose. Je vais essayer de changer, voilà, mon micro de place. Et j'en avais, non, j'en ai pas d'autres, donc il faut que je rebatte. Là aujourd'hui, je t'amène à ralentir. Tu vois, moi, je suis obligée de ralentir. Avec mon bébé, d'aller à un rythme plus lent, plus doux. Et je t'amène à faire pareil. Ici, ça fait du bien aussi. Alors, très bien. J'ai ma petite, tu vois, pyramide qui est là. Hop, je la prends, je la mets à côté. Regarde bien de quoi elle te parle, là, les cartes. C'est quelque chose qui vient là tout de suite. Et ça, c'est pour toi, tu vois. Ça, c'est individualisé, là. C'est personnel. Regarde de quoi ça te parle. On voit qu'il y a une incompréhension entre les deux.
Et il y a aussi ce désir de pouvoir justement, malgré cette incompréhension, en fait, les deux sont ensemble. Là, la souffrance, elle est de ne pas se comprendre, alors que l'on s'aime profondément. Si tu regardes les trois cartes, il est vraiment question de ça. Tu regardes la carte du centre ici. Tu vois, c'est. On voit bien. On voit bien que là, ils sont côte à côte. Ils sont enveloppés ensemble. Mais on voit qu'ils ont du mal à se rejoindre malgré tout. Pourtant, ils restent à côté. Ici, on peut voir vraiment, regarde cette scission là, bon, la flamme, hein, on pourrait voir la flamme, mais on voit aussi un cœur, donc la scission du cœur, chaque partie. Donc on voit, moi ça me parle beaucoup, voilà, que quand tu pourrais voir un cœur brisé, moi je le vois pas comme ça. Bien sûr que les cœurs peuvent être brisés parce que ce cœur-là peut représenter une certaine souffrance de s'aimer mais de ne pas pouvoir se comprendre, hein? Parce que chacun a son fonctionnement, chacun a sa propre communication et les deux sont vraiment complètement opposés et à la fois complémentaires. C'est ce qu'il veut nous dire aussi, ce cœur-là. Ils ont tous les deux la main sur le cœur, pardon. Mon petit Charlie s'exprime. Voilà, dans un moment solennel. Hein, ils ont tous les deux, voilà, la main sur le cœur. Et on va les voir. Et là, on voit bien, regarde, les cœurs. Donc, pour moi, ils vont dans les deux directions. J'arrive pas à définir une direction. S'ils vont dans ce sens-là ou s'ils vont dans ce sens-là, tu vois. Et là, ils sont dos à dos. Là, ils sont côte à côte. Ils se regardent pas, ils se rejoignent pas. Là, ils sont dos à dos. Là, c'est pareil. Mais là, ils se tiennent la main. Tu vois, ici, ils se tiennent la main. La rapproche si tu la vois pas bien. Hein, voilà. Donc c'est vraiment ça. Hein. C'est être opposé mais complémentaire. Ne pas se comprendre, avoir chacun son discours, son dialogue. Et en fait, à un moment donné, il y a possibilité de se rejoindre. C'est ça aussi que disent ces deux cartes-là à l'extérieur, là. Il y a possibilité de se rejoindre à un moment donné. À un moment donné, il y a possibilité de s'entendre, de se comprendre, de se parler, de communiquer. Et la communication, elle doit venir de cœur à cœur. Peut-être qu'on la cherche trop au niveau de la parole aussi. Tu vois, ici, regarde, là, ils essaient peut-être de parler, puis ils ne se comprennent pas du tout. Par contre, ils se comprennent à partir du moment où ça vient du cœur ici. Voilà, alors je retourne. Ne pas t'abandonner. Présence, émotion, unité. Il est incroyable de constater à quel point tes émotions changent en sa présence, comme ses émotions changent en ta présence. Oui, bien sûr, à l'origine, vous ne formez qu'un, il ne peut en être autrement, mais accepte que souvent cela te dérange, et accepte aussi que cela fait partie de ton chemin. Ça, c'est ce qui est en ce moment. Hein, là, moment présent. Tu peux te sentir plus apaisé quand tu n'es pas en sa présence, en fonction du moment, de votre cheminement, de l'étape où vous en êtes dans votre parcours, dans votre chemin, sur votre chemin. Il va y avoir des moments attraction où vous serez vraiment bien ensemble et d'autres moments répulsion où, en tout cas, l'un des deux va ressentir le besoin, ou peut-être les deux. Souvent, c'est l'un des deux, mais ça peut être les deux aussi, d'être éloigné de l'autre, de son autre, et pour retrouver la paix. Il y a un moment donné, il y a une notion de. C'est intense en fait, c'est fort, c'est intense, et il y a une sorte de. C'est comme si c'était une question de survie à un moment donné, de prendre de la distance pour retrouver la paix. Parce que ce chemin d'attraction-répulsion, et quand la répulsion est là, c'est très fort. Tout comme l'attraction est là, c'est très fort. Quand la répulsion, c'est un moment de répulsion, c'est aussi très intense. Et il y a besoin de souffler. Et c'est pas pour autant qu'il y a abandon et séparation en fait.
Il y a séparation physique à ce moment-là, mais pas au niveau du cœur. C'est juste parce que c'est une question de survie pour, voilà, pour éviter que tout explose ou que tout implose. Ou voilà, le duo implose peut-être, hein, de l'intérieur, exactement comme cette flamme ici, là. Et il y a cette, ce dont parle cette carte-là, elle parle vraiment énormément de se voir ou peut-être aussi en fonction du niveau de conscience ou de comment, je sais pas si je peux utiliser le terme niveau, mais voilà, à ce moment-là, comment est la conscience? Quelle est l'ouverture de conscience à ce moment-là? Quelle est ta présence aussi? Est-ce que tu... La présence que tu as à ce moment-là, mais il y a des moments, c'est compliqué de s'observer soi-même, changer d'état de vie, d'état d'être au niveau émotionnel en présence de l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux ne pas comprendre, mais pourquoi c'est si intense au niveau émotionnel, que ce soit agréable ou désagréable, et que ça change comme ça, de manière, tu peux t'en rendre compte, forte lorsque tu es en présence de l'autre, et lui aussi. Voilà. Et des fois, c'est le côté agréable, attraction, et c'est voilà, c'est génial, mais à la fois, c'est très intense et ça peut faire peur. Et d'autres fois, c'est le côté répulsion, donc des émotions beaucoup moins agréables, avec un état d'être où tu peux ne pas te reconnaître, hein, très clairement. Et à ce moment-là, c'est compliqué aussi, en fait, c'est tout aussi intense. Mais on te dit que voilà, il y a cette notion d'accueillir en fait ce qui du coup peut être vraiment dérangeant parce que tu peux ne pas te reconnaître quand tu t'arrives à en avoir conscience et d'accepter qu'en fait ça fasse partie du chemin. Et effectivement, il peut y avoir énormément de résistance de la part de l'un des deux. Ou même les deux, hein, parce que la résistance, elle est chez les deux, hein. Elle est peut-être plus visible chez l'un et moins chez l'autre, mais elle se manifeste de manière différente. Moi, je peux t'en parler en tant que polarité yin. Il y a vraiment... c'est difficile parfois de ne pas se reconnaître dans les émotions qui émergent. Quand tu es en contact avec ton autre. Alors petit à petit, évidemment, en avançant, ça se lisse en fait. Ça se lisse. Ce que j'ai pu constater, c'est que petit à petit, nous vivons ensemble, hein, sous le même toit. C'est le papa de mes deux derniers enfants. Je peux me rendre compte que petit à petit, eh bien, on se retrouve à aller l'un vers l'autre. Mais ça ne se fait pas. Je me suis rendu compte que tant que, par exemple, je suis tournée vers lui, je te donne donc, ce n'est que mon expérience, que ma propre expérience, hein. Donc, c'est juste mon histoire. S'il y a quelque chose qui te parle là-dedans, bah, tant mieux. Sinon, laisse-le, hein, c'est très personnel. C'est très rare que j'en parle, mais là maintenant. Comme je le disais, sur l'avancée, sur la compréhension que je peux en avoir, maintenant je peux en parler. Puis il y a d'autres moments où je me tairai parce que j'aurais besoin de prendre du recul. Et il y a d'autres moments après, le chemin étant fait, les prises de conscience faites, les déclics faits, alors je pourrais continuer d'en parler. Effectivement, et à un moment donné, c'est vraiment une question de survie, c'est-à-dire que de prendre de la distance, elle peut très bien se faire aussi en vivant sous le même toit, bien évidemment, pour pouvoir souffler, pour pouvoir se retrouver, parce que il y a vraiment cette notion de quelque chose d'insupportable. Et on peut se rendre compte que quand on ne supporte pas l'autre, en fait, c'est qu'on ne se supporte pas. Alors, c'est pas tout le temps le cas, attention, hein. Mais là, c'est vraiment ça. C'est qu'on ne se supporte pas soi-même.
Et parce que parfois, on peut ne pas... Comment dire? Parce que parfois, on a l'impression de ne pas se reconnaître. Hein, il y a cette notion d'identité avec l'autre, quelque chose qui se fond avec l'autre et qui peut être insupportable à un moment donné. Et ça crée toutes sortes d'émotions. Et les égos frictionnent. Hein, les égos frictionnent et puis se répondent aussi. Mais petit à petit, ça frictionne moins. Ça avance. Voilà. Mais c'est sûr que, voilà, quand je lis oui, bien sûr, à l'origine, vous ne formez qu'un, il ne peut en être autrement, mais accepte que souvent cela te dérange et accepte aussi que cela fait partie de ton chemin. Bah oui, cette notion d'avoir des émotions qui changent en sa présence, comme ces émotions changent en ta présence. Voilà. On continue, elle est jolie cette carte. Différenciation des énergies, vibration unique, bienveillance. Enfin, je commence à différencier ce qui est ton énergie dans mon énergie. Alors là, on voit très clairement que c'est la suite, hein. Voilà, on voit bien que l'histoire suit bien son fil et son cours là. Je l'accepte, mais je t'avoue que sentir à quel point tu ne t'aimes pas n'est pas évident pour moi. Je l'accepte, je l'accueille. Je comprends ainsi pourquoi parfois j'ai beaucoup de mal à rester dans l'amour pour toi. Je ressens donc en moi ton manque d'amour pour toi-même. J'accepte et j'accueille cette énergie. Je vais chercher au fond de mon amour pour toi et je te l'envoie avec douceur et bienveillance. Tu peux te rendre compte que ce parcours-là demande vraiment de la présence à soi-même. De la présence, une ouverture de conscience, bien évidemment. Et cette capacité à pouvoir aussi, ce qui est important ici, c'est être en contact avec ton intériorité, avec ce que tu ressens, ce que tu captes, pour à un moment donné, pouvoir comprendre ce qui se passe, voilà, entre ton autre et toi. Là, on est vraiment dans la continuité de la première carte, hein, ici, qui est au centre, ne pas t'abandonner. Hein. Donc, je vais la retourner de celle-ci. C'est vraiment la continuité. À un moment donné, tu arrives en fait à faire la différence entre ce qui est toi, ce qui est lui ou elle. Ce qui est important, c'est que c'est à un moment donné de pouvoir l'observer, ça, de pouvoir s'en rendre compte. D'en avoir conscience, parce qu'au départ, tu n'en as pas forcément conscience. C'est vraiment un chemin à deux qui est tellement subtil. Donc, pour les personnes qui sont déjà en contact avec leur ressenti, avec leur intériorité, c'est déjà pas simple. Et j'imagine que celles qui sont pas en contact justement avec leur intériorité. Alors pour moi, en tant qu'éducateur sportif et professeur de yoga, forcément, le corps est important. Hein. Une personne qui est en connexion avec son corps, ça va être plus facile d'être en connexion avec elle-même, avec son intériorité, avec ce qu'elle ressent. Hein. Et c'est très subtil là. Effectivement, il peut y avoir des fois une sorte d'énervement ou d'agacement de voir que l'autre se sous-estime, ne s'aime pas. Mais du coup, ça peut faire écho aussi à soi-même. Hein. Tout dépend où est-ce qu'on en est au niveau de cet amour de soi, de cet amour pour nous-mêmes. Bah, ça résonne des deux côtés, en fait, ça fait écho des deux côtés. Il y a encore ce qui est très important, je l'accepte et je l'accueille. Tu verras que souvent, moi je me suis rendu compte que dans cet oracle, ce qui est génial, c'est ça, il est profond.
Il est tout en finesse aussi, mais il y a vraiment cette profondeur. Il y a toujours cette notion de accepte, mais accepte. On retrouve toujours ça, accepte ici, accepte là, deux fois. Là, on a accepte, accueil. Pour moi, accepter, c'est d'abord accueillir avant d'accepter. On accueille. Quand tu accueilles, justement, c'est plus facile pour accepter derrière. C'est simplement cesser de résister. Ça, sur ce parcours-là, plus tu résistes, comme on dit, ce à quoi tu résistes persiste, bah, en fait, plus tu résistes et moins ça avance, en fait. Et plus tu es en souffrance, et plus toi et ton autre êtes en distance. Et c'est pas évident, hein. C'est-à-dire que là, je te parle, t'entends ça, mais ça passe par le mental. Mais quand il est question de le vivre, c'est vraiment tout autre chose. Et du coup, peut-être que va passer l'amour de soi, justement. Avoir beaucoup d'amour pour soi-même, pour accepter aussi son propre rythme à soi, mais aussi accepter le rythme de l'autre dans tout ça. Les prises de conscience, elles se font au fur et à mesure, petit à petit. Il faut se laisser le temps aussi. Voilà. Il y a cette notion-là aussi qui est, je comprends ainsi pourquoi parfois j'ai beaucoup de mal à rester dans l'amour pour toi. Oui, oui, et oui, cette relation d'âme, elle n'est pas dans cet amour amoureux qu'on connaît. Mais on a tendance à la calquer dessus. Et à un moment donné, il y a cette notion-là de difficulté à rester dans l'amour pour l'autre. Oui. Il y en a qui diront oui, mais non, mais alors c'est pas ce type de relation. Moi, je crois que. Enfin, je crois. Ouais, je suis. Comment on dit ça? Je sais pas comment je peux dire ça, mais ce qui se vit là maintenant, ce dont nous parlent les cartes là, elles sont aussi valables pour d'autres types de relations. Hein, bien évidemment, parce que ça peut parler à tout le monde, j'en suis certaine que ça peut parler à tout le monde, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais oui, c'est pas toujours facile et évident de rester dans l'amour pour l'autre parfois par rapport à ce qui est ressenti et vécu. Absolument. Ensuite, ça continue avec « Je ressens donc, ici, je ressens donc en moi ton manque d'amour pour toi-même. » J'espère que ces quelques lignes-là vont vraiment faire tilt chez certaines personnes, dans le sens vont aider certaines personnes. Peut-être qu'elles t'aident, toi. Peut-être que ça fait eureka, il y a une petite lumière ici. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément... Qui peut passer complètement inaperçu, qu'on peut interpréter complètement différemment en se disant bah non, je l'aime pas du tout, c'est absolument pas ça, je me suis trompée. Voilà. Attention, j'amène personne à rester dans une relation qui n'est pas pour soi ou dans une relation toxique. Hein. Ça va être, bien faire la part des choses. Voilà, et j'accepte encore une fois, et j'accueille, on l'a encore deux fois, hein, donc on l'a ici, on l'a là, j'accepte et j'accueille encore. C'est vraiment cette notion de cesser de résister. Donc j'accepte et j'accueille cette énergie, je vais chercher au fond de mon amour pour toi, et je te l'envoie avec douceur et bienveillance. Ce qui me fait tilt, c'est vraiment ça, ce qui résonne plutôt. Je vais chercher au fond de mon amour pour toi, parce qu'il y a vraiment cette notion de profondeur. Oui, dans tout ce qui se joue en fonction de l'étape où tu en es, il y a un moment donné, oui, tu vas chercher au fond. Enfin, cet amour, tu le sens au fond, tu le sens derrière. Derrière les jeux de l'ego, en fait. Hein. Et d'ailleurs... J'aime bien voir l'ego en lien avec les blessures de l'enfant intérieur. Parce que ça, je pense que tu pourras le trouver, il y a des thérapeutes qui en parlent, mais c'est vrai que quand l'enfant intérieur est apaisé, eh bien, il n'y a pas de résonance avec certaines blessures. Et à ce moment-là, l'amour, on le ressent moins loin derrière, si tu veux. Hein, qui a été caché justement par ces blessures auxquelles l'ego justement
L'ego va répondre avec ses blessures, à partir de ses blessures, justement. Voilà. Il y a toujours cette notion de douceur et de bienveillance. On va retourner l'autre carte. Hop, donc, ne pas t'abandonner, ici, ne pas t'abandonner, présence, émotion, unité. Différenciation sur l'autre carte à gauche des énergies, vibration unique, bienveillance. Et, alors, je te le montre, sinon tu vois rien. Te regarder, sinon on voit pas trop là, avec les écritures. Te regarder, attention à toi-même. Reconnaissance, estime. Eh ben, on continue sur cet amour de soi. Plus tu vas vraiment aller vers toi, plus tu vas vers l'autre. Cette distanciation qu'il y a entre toi et l'autre, qui est, qu'elle soit physique ou pas, en tout cas fortement ressentie, voilà, je me suis rendu compte, puisque je te parle ici à partir de ma propre expérience, qui n'est que mon expérience, que mon avis et mon opinion uniquement. Hein, voilà, ce n'est pas une généralité à faire. Hein. Bien au contraire. C'est vrai que à chaque fois que tu es tourné vers l'autre, il n'y a rien qui... ça avance pas. Et la distance reste. Et à partir du moment où tu viens vers toi, vraiment, du coup, il y a cette notion de faire confiance à l'autre, mais du coup, de se faire confiance à soi-même. En fait, tout est en résonance, tout est en miroir. Hein? Parce que tu peux avoir cette peur de lâcher l'autre. Mais justement, il y a cette notion de toute façon de revenir vers soi, de s'aimer soi pour aller vers l'autre et aimer l'autre inconditionnellement, c'est-à-dire tel qu'il est. Mais c'est d'abord avoir suffisamment d'estime de soi-même, suffisamment d'amour pour soi. Et ça, c'est prendre le temps de le vivre et d'y arriver. Donc on te dit de te regarder, de pas de regarder l'autre. Attention à toi-même. Reconnaissance, estime. Tu as assez d'amour, d'estime de toi-même pour arrêter de le ou de la regarder. De le regarder ton autre. Mais plutôt te regarder, et cela en permanence. Ce n'est pas être égoïste ou moins l'aimer. Elle est peut-être là, la peur. Elle est peut-être là, la peur. Il y a tellement de facteurs à ce moment-là qui entrent en jeu par rapport à ton histoire personnelle. C'est apprendre à être ta priorité. C'est finalement ouvrir une porte qui est restée fermée depuis bien longtemps. Oh que oui. Souviens-toi de cette situation pour te rappeler que tu es ta priorité et que lui doit devenir sa priorité. Cela harmonisera votre relation. Quelque chose qui peut se passer aussi fortement, c'est quand l'autre, pareil, est tourné plus vers toi-même que vers lui-même. Moi, c'est quelque chose qui, je veux dire, en tout cas, la polarité yin peut y répondre fortement à ça. Justement, en se mettant encore plus en distanciation à partir du moment où l'autre est trop focalisé, à partir du moment où l'autre n'est pas focalisé sur lui-même. Moi, il y a quelque chose qui m'horripile, c'est quand il se... Comment je peux dire ça? Quand il se sous-estime. Oui, quand c'est pareil, ça reste la même chose. Quand il ne s'aime pas, quand il se sous-estime. Peut-être parce que aussi, et moi c'est comme ça que je le vis, ça fait résonance avec mon estime de moi-même. Voilà, l'attention que je me porte à moi-même. Et à chaque fois, ça me ramène justement à moi maintenant. Pas de manière égoïste, parce qu'il y a aussi cette peur d'être égoïste. On peut reprocher à l'autre d'être égoïste aussi, également. Il y a tout ça qui se joue, mais vraiment de revenir en disant « Ok, finalement l'autre, il ne fait que toujours te ramener à toi. » Et quand c'est pas supportable, c'est forcément qu'il y a... Enfin forcément, je sais pas si je peux dire ça. En tout cas, dans ma propre histoire, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, c'est parce que c'est chez moi que ça se passe. Et que c'est là qu'il faut que j'aille regarder. Et ça,
Là, t'as l'ego qui entre en jeu à ce moment-là parce qu'il peut, ça peut, en gros, ça peut le faire chier, quoi, pour parler poliment. Excusez-moi le vocabulaire, mais je sais pas comment le dire autrement. Voilà. Alors, je vais continuer avec le tarot de l'amour. On va en prendre juste une carte parce que sinon, ça va être super long cette guidance-là. Tarot de l'amour. Voilà, que je t'ai présenté tout à l'heure. J'essaie de pas trop me pencher. Je suis désolée de ne pas pouvoir te montrer le battage des cartes hein, si cela t'intéresse, mais c'est vraiment que je peux pas me pencher parce que mon petit est en kangourou là. Et là, il dort bien, tu vois. J'aimerais bien que ça sorte. Une carte. Ah oui, il y a celle-ci qui s'est éclipsée. Doucement. C'est le chevalier des étoiles, voilà, c'est l'aventurier. Est-ce que je peux zoomer sans tout faire tomber? Oui, voilà. Le chevalier des étoiles. Déjà, il est beau, il y a une douceur et toujours cette notion de douceur. Je sais pas si tu vois que... Regarde là, il y a des ailes. Tu vois les ailes là? Les ailes d'ange? Alors c'est un jeu qui est très... Qui est vraiment relié justement aux anges et archanges. Fait penser aux Esséniens. Il y a peut-être quelque chose là, je sais pas. Effectivement. Il y a une notion de douceur, mais il y a une notion de tristesse aussi quand même, je trouve. Et en même temps, dans les yeux. Regarde ce. Je sais pas si t'arrives. Ouais, si t'arrives à bien voir le regard, mais il y a quelque chose qui peut. Il peut te parler. Cette présence-là. Pour moi, je ressens une forte présence là. Vraiment une forte présence. Ici, il est question de courage. C'est-à-dire que c'était ça. C'est-à-dire que je t'ai dit tristesse. En même temps, je chantais quelque chose d'assez affirmé quand même. Et ce serait ça, en fait. Pourquoi je t'ai parlé chevalier des anges et pas les anges? Je suis parlé sur... Non, c'est chevalier des étoiles, mais ça me parle de ça. Oui, parce qu'il y a des ailes d'anges, là. Mon cerveau, parfois, je te fais des connexions qui partent un peu ailleurs, mais... Oui, c'est les ailes d'ange qui m'ont fait penser au chevalier des anges. Mais il y a vraiment ça, je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même affirmé là-dedans. En tout cas, il est question de changement. Hein? On nous parle de l'aventurier, et l'aventurier, il part l'aventure, c'est l'inconnu, c'est le voyage, c'est le changement. Il y a vraiment... Il y a cette notion... d'aller vers l'inconnu. Et cette relation, c'est ça. C'est à chaque fois, c'est un voyage vers l'inconnu, constamment. Mais il faut savoir que cet aventurier-là, il est pionnier. Hein, c'est quelqu'un de victorieux aussi. Et bien sûr, il y a toujours cette notion de courage. Il y a une notion de puissance intérieure, de force intérieure. On voit qu'il y a une confiance. Voilà, c'était ça que je trouvais pas. Je dis, il y a quelque chose de doux. Pas, je ressens une certaine tristesse. Peut-être la tristesse de l'absence de justement, de, à un moment donné, peut-être de voir s'éloigner, d'être en distance ou d'être face à quelque chose qu'on ne connaît pas, où il y a une incompréhension. La tristesse, elle peut être là aussi, bien évidemment. Mais il y a une confiance, on sent quelque chose de très posé dans le regard de ce chevalier des étoiles. C'est vraiment la force calme, douce, mais plus que force, c'est vraiment de la puissance. Et il y a une sorte de détermination aussi. Il est en chemin, en fait. Il est en chemin. Donc ici on a le chevalier, donc on est plus sur un masculin ici qui est en chemin et qui dit qu'il est en chemin. Voilà. Donc ça ce sera un message. Voilà.
du masculin qui dit qu'il est en chemin. Il y a vraiment cette notion de partir vers quelque chose de nouveau, d'aller explorer. Il y a quelque chose aussi qui inspire peut-être à réaliser ses rêves, qui inspire à ce changement, à cette transformation. Et en fait, ce chevalier-là, il est là pour stimuler ta volonté par l'ouverture du cœur. Ici, on peut le voir là. Tu vois? On voit cette belle étoile. De cette belle étoile ici qui est dans cette ouverture du cœur. Mais c'est s'autoriser en fait à être dans le flow, à suivre la nature des choses, le courant, et justement à cesser de résister à ce qui est. En cette période de printemps, il y a vraiment une... en fait, je vois comme une source qui jaillit des profondeurs, voilà, à travers une fontaine qui prend sa source dans les profondeurs et il y a un jaillissement. Et c'est l'image que j'ai là. Et là, c'est vraiment ça, en fait. C'est du coup, c'est vivre. Vivre, voilà. C'est toute cette relation en fait, elle te permet de vivre, de sentir cette vie jaillir en toi et de vivre à partir de cette source, hein, l'eau c'est vraiment de cette source, de la source aussi, il y a quelque chose comme ça et cette relation elle te demande justement d'être centrée en toi-même pour aller puiser dans ces profondeurs où se trouve la source. Voilà, que tu fais jaillir. Et si, bien sûr que ici, la source, eh bien, a son mot à dire dans cette relation de flamme jumelle. Je sais pas... Oui, c'est une relation, bien évidemment. Les deux sont en relation. Et c'est un duo pour moi. C'est vraiment le terme duo, pour moi, va vraiment mieux que le terme couple. Peut-être parce que, pour moi, le couple ramène au couple traditionnel. Voilà. Et par rapport à mon histoire. Mais c'est vraiment un duo. C'est-à-dire que un duo, ils font équipe ensemble. Et quand il y a des prises de conscience chez l'un, il y a des prises de conscience chez l'autre. Et voilà, il y a des choses qui émergent, justement, des profondeurs. Et c'est cette notion de profondeur aujourd'hui que je peux fortement ressentir, qui n'est pas forcément expliquée ou... Je ne sais pas où je peux trouver ça. Je n'ai pas les mots pour le dire non plus, mais voilà. Cet amour, il est ressenti profondément. Moi, j'avais l'impression comme s'il était en arrière-plan. Alors après, tout dépend quelle polarité tu es, bien évidemment. Il y a tout est dans le ressenti. Alors moi, étant polarité yin, c'est peut-être pour ça aussi. Mais tout est dans le ressenti, en tout cas de mon côté. Et c'est comme s'il fallait que j'aille le chercher, effectivement, et que j'accepte aussi, hein, cet amour-là, cette force, cette puissance. Parce que pour moi, je... saisissez pas cette notion d'intensité, de profondeur, tout ça, parce qu'on a pu tous avoir des coups de foudre, des amours très forts et tout ça. Et maintenant, je le saisis dans le sens de quelque chose qui est profond, qui va à la source, justement. Voilà. Et consciemment et ou inconsciemment ou les deux. En tout cas, il y a quelque chose qui est ressenti derrière, qui est très très fort et vers lequel on n'a peut-être pas forcément envie d'aller. Et je pense que c'est chez les deux. Parce que je vois pour la polarité yang, c'est pareil aussi. Sauf que cette polarité, après, ça peut être inversé. Donc, j'aime pas trop parler de ça parce que
Je voudrais pas que tu t'y attaches, alors que ton histoire est vraiment unique. Et ce qui compte là, c'est moi j'ai l'impression de voir des rouages ici, c'est d'en saisir au fur et à mesure que tu avances les rouages ici. Comment toi, ton histoire, elle fonctionne? À partir évidemment de ce que tu as pu apprendre sur cette relation de femme jumelle, bien évidemment. Mais à un moment donné, c'est voilà, de cette connaissance que tu as, après, il faut vraiment regarder ta propre histoire et voir quel est son fonctionnement, quels sont ses rouages. Voilà, j'espère que je m'égare pas trop et que je suis compréhensive. C'est vraiment difficile de parler de ce duo, de cette relation avec des mots, parce que je trouve qu'il n'y a pas de mots en fait. Il y a beaucoup de subtilité, il y a vraiment cette profondeur et beaucoup de lumière à la fois. Et aussi être surtout, moi, ce qui m'a le plus interpellée par rapport à ce qui pouvait se dire, mais c'est d'être tellement face. Les deux révèlent le côté, le loup noir de l'autre en fait. Les deux, voilà, révèlent toujours le loup noir de l'autre, et on voit le loup noir en face, mais on voit son propre loup noir aussi. Hein, voilà, l'obscurité est révélée chez les deux tout autant que la lumière. Et c'est ça qui peut être déstabilisant, c'est qu'il n'y a pas de juste milieu en fait. Mais après, voilà, petit à petit, il y a une force chez les deux. De s'harmoniser en fait, hein, d'être voilà, c'est ça, c'est vraiment le yin-yang. Il y a cette notion de voilà, l'un dans l'autre, ça s'emboîte bien, ça va bien ensemble. Et au départ, on n'arrive pas à justement à... Ouais, j'ai cette notion-là de s'emboîter comme le yin-yang, c'est-à-dire que je vois ma petite de 2 ans quand elle. Elle fait des puzzles, des gros puzzles. Bah, faut trouver le personnage qui va s'emboîter dans le paysage, par exemple. Bon, bah ça, au départ, elle essaie, ça s'emboîte pas forcément. À un moment donné, elle trouve ce qui s'emboîte. Voilà. Mais en fait, c'est ça. Ce sont, tu vas dire, c'est comme ça que je vois mon histoire, moi, comme un puzzle, comme ça, pour tout petit. Où on essaie, et puis bon, des fois ça va pas, ça passe pas, on force, ça marche pas. Puis bon, au bout d'un moment, on y arrive, quoi. On arrive à le faire, le puzzle. Bon, ben, ça me parle de ça. Et justement, cette carte de l'aventurier, elle me parle de ça aussi, de ce puzzle. Oui. C'est quelque chose qui est complètement inconnu. On tâtonne, on connaît pas, on va à tâtons. Et ça demande de la persévérance, ça demande du courage, ça demande aussi d'être concentré, dans le sens d'être centré en soi. Et en même temps, ben voilà, d'accueillir quand c'est difficile, quand c'est compliqué. Donc bien évidemment, je ne parle pas de relations toxiques, attention, faire bien la différence, quoi. Et là, il y a assez je dirais, de renseignements sur Internet pour faire la différence justement entre les relations toxiques et celles qui ne le sont pas. Et je suis passée aussi par une relation toxique justement avec une personnalité perverse narcissique. Donc, il y en a qui peuvent confondre ce type de relation, on entend souvent, hein, avec la relation perverse narcissique. Mais quand on connaît bien cette personnalité et la relation quand on l'a vécue, c'est vraiment différent. Ça n'est pas la même chose. Mais effectivement, il y en a effectivement ce qu'on appelle le runner pourrait avoir ce type de comportement, hein, donc la polarité yin. Mais il y a quelque chose qui est quand même très différent de la perversion narcissique. Je pense qu'en fait, les personnes qui l'ont vécu, ça le savent. Voilà, quand on a été en face d'une personnalité comme ça, on sait très bien que c'est différent, que c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est important de le savoir et de le dire.
Mais effectivement, cette relation peut créer des dysfonctionnements, tellement c'est intense, tellement c'est fort, et dont je t'ai parlé au début de la guidance, notamment avec les trois cartes, avec ces cartes-là de l'oracle des flammes jumelles. C'est très bien, elles expliquent bien la situation. Allez, on y va? On continue? Allez, on y va avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand maintenant. Et je terminerai avec le tarot essentiel. Thibaut dort toujours, Charlie dort toujours. Je nous accompagne. Il y a beaucoup d'émotions, tu vois, il y a beaucoup d'eau. Justement, c'est une relation qui est au niveau de l'émotionnel, il y a énormément. Bah, ça secoue, hein. Alors, cette carte-là, toute seule, elle nous parle d'adultère. Tu vois que tu as un homme qui est avec sa femme, qui donne une lettre à quelqu'un d'autre. Voilà, et là, on nous parle de vigilance avec le sentinelle. Eh bien, oui, c'est que ça nous montre que ce n'est pas une relation de tout repos. C'est une relation avec l'eau ici qui est vraiment qui secoue les émotions. On voit bien que l'Euphrate n'est pas calme, hein, il y a des vagues. Et puis en même temps, on a les poissons. Les poissons, on sait que c'est un signe qui est très doux. Il y a beaucoup de douceur et de tendresse dans cette relation-là aussi, hein. Mais c'est vraiment une relation, à un moment donné, en fonction d'où où tu en es, on l'a vu tout à l'heure, où tu peux, en tout cas pour moi juste de mon côté, mais même de l'autre côté, effectivement, à un moment donné, avoir peur de perdre ton identité. C'est pour ça qu'on peut aussi, peut-être, tellement. C'est pour ça que tu peux. Il y en a qui confondent avec une relation toxique. C'est dans une relation toxique. Donc, moi, je parlais juste avec mon expérience, hein, avec une personnalité perverse narcissique, tu en perds ton identité. Avec une relation toxique, tu peux perdre ton identité. Voilà, je ne parle que de ce que j'ai expérimenté, pas de ce que je n'ai pas expérimenté. Donc c'est vrai que ça peut. Les proches autour, s'ils ont connaissance un petit peu de ce qui se passe effectivement dans le duo, peuvent voir cette relation comme une relation toxique, mais ça ne l'est pas. Vraiment, j'insiste, il y a des ajustements à faire, il y a des. Voilà, c'est tout un système. Les rouages qu'on a vus tout à l'heure, c'est finalement nous parle de. C'est une systémie. Hein. C'est systémique en fait. Il y a des rouages à bien connaître. Il y a. Voilà, c'est plus complexe et subtil que ça. Enfin, plus complexe que ça, en tout cas, ça c'est sûr. Donc, on a Cupidon, là, tu vois, il est là, mais il n'a pas tiré sa flèche, hein. Tu peux t'en rendre compte. Hein, Cupidon a vraiment pas tiré sa flèche. C'est quelque chose qui remue tellement cette relation que, effectivement, on peut penser ça peut nous parler de quelque chose de passionnel, alors qu'en fait, c'est bien loin de la passion. Ça n'est pas de la passion. Mais dans ces relations-là, quand ça se passe, ça peut devenir embarrassant parce que l'un des deux ou les deux peuvent ne pas être libres. Hein? Et bon, faut savoir qu'avant tout, ici, la carte, elle parle de fuite. Donc c'est une relation qui peut donner envie de fuir à l'un des deux, hein? À être dans la fuite. Alors ici, on peut dire ici que effectivement, eh bien, il y a des duos où la relation peut être vue,
et qu'à ce moment-là, les choses vont changer et que l'inconnu va s'ouvrir et que ça va peut-être être le temps, on va voir par la suite, justement, de mettre les deux pieds dans cette histoire, dans cette relation pour les personnes qui résistaient à cette relation. Ici, on dit qu'il n'est plus question de faire marche arrière. Hein? Il est question de faire preuve de lucidité et d'avancer avec responsabilité. Mais dans tous les cas, cette carte, elle dit aussi que le sang-froid sera gardé, les émotions. Il y a une notion de maîtrise de soi ici qui va être importante, malgré le fait que c'est pas toujours évident. Le 4 de cœur annonce, hein, c'est marrant, c'est ce qui est assez intéressant avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, et qui peut être très perturbant au début quand tu commences à apprendre ce jeu. Donc j'ai fait une formation pour apprendre à utiliser ce jeu, à le maîtriser un minimum, sinon un maximum avec de la pratique et de l'entraînement. Pour les personnes qui ne le connaissent pas du tout, tu peux aller voir sur le site sacré-féminin.com, tu trouveras la formation avec un petit code promotionnel de réduction. Eh bien, c'est que à la fois tu as comme le 4 de cœur ici, eh bien il va nous parler de stabilité affective aussi. Mais à la fois on voit que cette carte donc de quelque chose de positif, alors qu'en fait on voit qu'il est question d'adultère, donc on dit ben non, mais il y a une notion de déséquilibre là. Oui, mais pour avoir un équilibre par la suite, une stabilité par la suite. Voilà. Il y a une notion de consolider quelque chose. Voilà. Il y a aussi. Alors ici, il y a aussi peut-être cette carte, elle demande à ne pas rester. À ne pas se renfermer sur soi. Hein? Mais aussi à regarder ou sur la situation. Et à prendre du recul et à regarder, à être beaucoup plus ouvert en fait, à ne pas se limiter, à regarder, ben là, ils sont sur l'eau, à regarder à l'horizon, au large. C'est ça, c'est quelque part, et cette notion-là. Il y a cette notion de regarder loin et de prendre le large. Voilà. Donc, là, la carte, elle dit que c'est le moment d'y aller. Voilà, je synthétise. F comme force, on va te donner la force. Force, fiabilité. Je te parlais de lucidité aussi. Enfin, c'est vraiment allier toutes ces énergies. On parle de compréhension aussi, de partage, d'attention. Voilà. Y a une notion de reconnaissance, de respect. En fait, c'est vraiment la carte qui invite à mettre les choses au clair, à ne pas garder des choses cachées, à avancer. Et c'est positif derrière. Hein? On n'oublie pas que. Alors après, il peut y avoir de la colère hein, avec les fleurs qui sont ici, Kartam, Potamo, Skirpe et Feuillet. Il y a quelque chose qui va se réorganiser. Ça peut être une période justement où, bah, si les choses se disent ou se découvrent, il peut y avoir de l'agressivité ou de la violence. Mais on dit justement, on voit que tout à l'heure, je disais qu'il y avait une notion de sang-froid et de maîtrise de soi pour apporter plus de douceur et les choses vraiment vont bien se passer avec la douceur. Hein, ce qui va permettre de remettre de l'ordre en fait, de réorganiser les choses. Voilà, mais pas d'agressivité, pas de violence, parce que ça aide pas, bien évidemment. Il y a cette notion de garder son sang-froid, de garder son calme dans les décisions importantes à prendre, quoi qu'il en soit. On va parler un petit peu de Cupidon qui est là, qui n'a pas tiré.
sa flèche, mais en tout cas, Cupidon, il c'est sûr qu'il va nous parler d'amour, va nous parler de rencontre, va nous parler d'élan affectif, de désir, va nous parler de tout ça. Et du coup, il nous dit que tu as fait le bon choix aussi. Donc, je dis tu, mais tu sais que cette guidance, elle est générale, elle n'est pas personnelle, hein. Nous dit que tu as fait le bon choix et que y a une période qui arrive là, côté sentimental, on est dans les cœurs hein, avec Cupidon, qui voilà, qui va être favorable. Ici, c'est la carte du moment présent, c'est maintenant. Donc, tu peux espérer que les choses s'accordent. Mais tu vois qu'il y a, voilà, faut aller de l'avant, quoi. Faut mettre les choses au clair, faut réorganiser. Enfin, il faut que, j'aime pas dire, il faut que, mais il y a cette notion de réorganiser les choses. Faire preuve de discernement, faire preuve de, surtout de lucidité. Il y a une notion de faire le point, en fait, de faire le point, de poser les choses sans agressivité, sans violence. Donc ça peut être des duos qui sont ensemble, hein, qui sont ensemble, où ça n'a pas été simple. Et là, les choses à ce moment-là, elles se réorganisent, hein, parce que là, ça me parle beaucoup de ça quand même. Elles se réorganisent et ça va être pour quelque chose de positif, mais il y a cette notion de faire le point là. Alors, en tout cas, il y a vraiment ça. Et c'est avec respect, disponibilité, écoute, hein, et communication. Ça, c'est important, hein. En tout cas, on nous parle de spiritualité avec les constellations ici, qui sont ici. Il y a dans cette relation, il y a cette notion de philosophie, de spiritualité, de changer son fonctionnement de pensée aussi, sa perception des choses, de la vie. Tout ça est en train de changer, est en train de bouger. La manière dont tu vois le monde, la manière dont tu perçois la vie, la manière dont tu perçois ce que tu vis, ta façon de vivre, le quotidien, tout ça est en train de bouger. Et en fait, on te dit que le plus important là maintenant, eh bien, c'est d'être en cohérence avec tes valeurs. En correspondance avec tes désirs, tes envies, tes besoins, en fait. Ça, c'est. Voilà, il y a cette notion-là. Donc, encore une fois, cette carte, elle te ramène à toi-même. C'est vraiment ça. Il y a un besoin d'authenticité ici. Un besoin de te connaître, de te reconnaître, d'être allé, de connaître en fait quels sont tes besoins. Est-ce que tu connais tes besoins? Est-ce que tu connais tes désirs, tes véritables envies au fond? Et est-ce que tu sais les communiquer? Je continue. Donc toujours hein, avec le Normand. Oups. Alors j'en ai eu une comme ça et une comme ça. Ouais, tu vois, il y a vraiment un retour à soi là. Alors attends, parce que là, tuk tuk tuk, on va faire comme ça. Voilà, là, retour à soi, ses racines. Hein. On a l'ermite là. Il y a l'inconnu avec les perdrix, mais elle décolle pas encore. Il faut d'abord, enfin, il faut rester fidèle à soi. Revenir à ses racines. Je te parlais, t'as vu, de la profondeur tout à l'heure, les racines, la profondeur, la source, la fontaine qui jaillit. Mais c'est complètement ça. Là, on a Puella. Puella, c'est vraiment la femme. C'est très positif, hein. C'est la femme, la pucelle. C'est très positif, pardon. Avant d'aller, voilà, on va pas vers l'inconnu encore parce qu'on a besoin, donc ça c'est le passé, hein, d'être en retraite. Il y a vraiment cette notion de spiritualité, tu vois, on a la croix là, on a l'ermite là, de se retrouver soi avant, voilà. Et ensuite, il y a, voilà, éclaircir les choses, faire face à ce qui est mouvementé émotionnellement, mieux se connaître aussi. Et ensuite, on a une décision importante qui est ici avec les trois gentilshommes là, qui vont décider. Et oui, on parlait d'un duo qui prend des décisions,
Pour certains, ce sera d'arrêter séparation ici avec Amissio. Ça nous parle du mois de septembre, donc on a quelque chose qui peut se faire effectivement en ce moment. Et il y aura des décisions, mais on voit que c'est positif avec notre orangé ici. On a quelque chose qui va vers quelque chose de positif, quoi qu'il arrive. Hein? Que ce soit une séparation. Voilà, parce que il y a voilà, deux personnes qui. Voilà, leur chemin se sépare et on a quelqu'un qui va vers cette relation, peut-être cette relation de flamme jumelle ici, ou alors un duo hein, qui est déjà ensemble, qui peut être, voilà, ça peut être un duo de flamme jumelle. Et justement, il y a une avancée sur le parcours, il y a une meilleure compréhension. Il y a plus de lucidité et dans ce cas-là, voilà, les choses se réorganisent et avancent. Il y a une étape qui est passée, qui est dépassée. Hein, voilà. Alors bien sûr que tu sois dans cette relation de flamme jumelle ou pas, ça peut te parler parce que finalement, c'est moi je trouve que ce parcours, il apprend beaucoup sur les relations de couple, hein, en duo. Hein. Que ce soit homme-femme, femme-femme ou homme-homme, hein, quelle qu'elle soit, et même pas que d'ailleurs, hein. Relation entre deux personnes d'ailleurs. Puis là, c'est aussi le mois de septembre, on a deux fois le mois de septembre, on a septembre là, on pourrait penser que c'est de septembre à septembre, mais on passe par les poissons, ben, ça tombe. J'ai dû faire une petite pause pour allaiter bébé Charlie. Je vais donc terminer par deux éléments importants. La lettre Y ici, qui nous parle de yin-yang, qui nous parle d'un équilibre, de trouver un équilibre en soi. Mais aussi, cette carte-là nous parle d'être fidèle à soi-même, de se connaître aussi quand même. Hein. Et ici, on a quelqu'un pour qui l'équilibre passe par l'autre, la complétude passe par l'autre. Oui. Et surtout, la complétude, c'est d'abord en soi, justement, pour pouvoir être avec l'autre. Hein. C'est ce dont nous parle cette lettre Y ici. En plus de cette importance, hein, d'abord regarder en soi, d'abord faire cet équilibre entre ces deux polarités, yin-yang, féminine et masculine. Trouver sa complétude d'abord en soi pour après aller vers l'autre. Ensuite, on a ici notre orangé. Donc ici, il est question, il va nous parle d'abondance, mais il nous parle d'une décision ici qui va être positive, mais qui implique ou qui a impliqué de prendre ses responsabilités, qui a impliqué de l'audace aussi. Ici, on a quelqu'un qui a pris des risques aussi, ou qui va prendre des risques puisque cette carte va nous parler du futur. Par exemple, en cas de séparation, dans ce cas de figure-là avec Amicio ici, on a la fin d'une situation, la fin de quelque chose, et du coup le début de quelque chose d'autre. Mais ici, c'est positif, hein, mais il y a une décision à prendre, justement, et qui va se clarifier, qui n'était pas claire, et suite à vraiment un gros chamboulement émotionnel ici. Dans tous les cas, elle sera positive. Alors, j'insiste sur le fait que la guidance, elle est générale, elle n'est pas personnelle. Hein. Elle va résonner avec ta propre histoire, mais attention, ça reste une guidance générale, ça n'est pas personnel. Si tu souhaites une guidance, tu vas sur le site sacré-féminin.com. De ma part, bien sûr. Tu peux aller sur le site et voir ce que je propose. Comme je t'en parlais en début de guidance. Voilà, je vais terminer avec le tarot essentiel. Je ne sais plus où je l'ai mis, mais je vais le retrouver. Il m'est cher ce tarot-là. Je voulais le faire, mais il faudrait déjà que je le retrouve. En attendant, tu peux entendre les petits gazouillements de Charlie. Eh ben non, il était là, il était juste sous mes yeux, mais c'est pas grave. Voilà, je le prends, le tarot essentiel. Donc encore une fois, je m'excuse de ne pas pouvoir battre devant toi, mais la configuration avec bébé contre moi n'est pas possible.
Eh ben oui. Eh ben regarde, on parle de gestation. Alors, cette gestation, je vais terminer avec cette jolie carte. Pour moi, on était beaucoup dans une polarité yin, dans les des énergies yin aujourd'hui. Hein. Bon, après, il n'y avait pas que ça, mais tu vois, avec l'émotionnel qui était là derrière les émotions, on était beaucoup dans le yin. Hein, la retraite ici, se venir dans voilà, l'introspection, hein, s'intérioriser, voilà, pour pouvoir prendre une décision importante ici qui va changer, qui apporte un changement. Hein. Eh bien, effectivement, ce changement, il arrive, hein, qu'on le veuille ou non, en fait, quelque part. Donc, autant le décider, le choisir. Hein, parce qu'il sera positif dans ce cas-là, puis surtout il sera pas subi. Parce qu'on a la gestation ici, 18, 1 plus 8 égale 9 mois. On a eu une gestation et là on va arriver à la fin de la gestation. C'est ça qui est intéressant. Tu es d'accord, hein, Charlie? Ouais. Eh bien, la gestation, c'est dans le tarot de Marseille, c'est la lune, tu l'auras compris. Il y a en fait. Utiliser les expériences passées de manière positive, de manière... elles sont là pour t'élever, pour t'impulser. Ça a été un long apprentissage. Et du coup, la lune, elle t'amène à écouter ton intuition, ce qui va fortement t'aider à mettre en place la suite, hein, de ta vie, à mettre en place tes projets. Et on te dit de mettre en place des projets. Si tu en as, on te dit de les mettre en place. C'est le moment, là, justement, dans ce duo de flammes jumelles, de mettre en place les projets que tu as, auxquels tu pensais, que ce soit seul ou à deux, hein, si tu es avec ton autre. Je te remercie pour ton écoute et puis on se retrouve très vite pour d'autres guidances. Merci à toi.